Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man. On est parti, on file au prochain, à la prochaine mission. Et maintenant les mails des auditeurs. May du Queens nous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment. Mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère, je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette ville et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix là, c'est rien que de l'amour. Il est toujours énervé ce Jameson. Il est vraiment toujours énervé. Allez, on se rapproche de notre cible. Les musiques sont vraiment bien aussi, hein. Je sais pas qui est le compositeur, je me renseignerai. Mais elles sont vraiment cool les musiques. Hein. Elles collent vraiment à l'univers Marvel. Allez, on arrive à 800 mètres. Allez, ça y est, on est arrivé. C'est quoi, c'est un sac? Entrée dans le FEAST. C'est quoi ce truc? Ah oui! Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Ah, c'est la fête à Mary. À Tante May, non? Ou à Mary Jane? Je sais plus. C'est quoi ça? C'est un campement de jeunes là? C'est quoi ces conneries? C'est une ZAD! Où je dois aller? On va aller à la cuisine. Peter. Comment ça va? Non, je fais que passer. Je fais que passer. Ah, les cuisines sont là. Ah ben il est là, Monsieur Lee. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Wow. Peter, que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Eh ben, j'en prendrai bien une part.
Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Où je dois aller? Un message vocal de Yuri. D'accord. Alors où je peux me mettre pour l'écouter? On va sortir, carrément. Ah, il fait nuit dehors, d'accord. J'aime bien le temps de chargement comme ça, là, avec une image en rotation. Et c'est là qu'on voit que la tenue de Spidey est vraiment jolie, hein, la tenue élaborée par Octavius. Message vocal de Yuri. On touche avec les yeux. Alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fisc. Vous pouvez jeter un œil discrètement. Je ne veux pas. Ok, alarme silencieuse. Bien de fisc, génial. Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Eh ben on y va, pas de problème. Donc je sais pas comment seront les voyages rapides. Activer les tours pour trouver les crimes. Oui, ça je sais. Mais on va d'abord faire la mission principale. Alors je ferai peut-être hors vidéo tout ce qui est déblocage des tours. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point t'es mou ou compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Arrête, mais après avoir perdu mes parents, l'oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable. Putain, faut passer par Central Park. Je tenais juste. On va faire le tour. Hein. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que. Ah, il commence à pleuvoir. Bien. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Yuri a dit discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. À perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Ok, une mission d'infiltration, j'ai l'impression. Alors, silencieux se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Lancez les toiles sur les surfaces et les objets pour attirer les ennemis. Bien, les éliminations discrètes. Ils ont l'air à la Batman une fois de plus, mais en méthode Spidey. Alors où je peux aller là? On peut aller dans la salle suivante. Ah non, ici. Ne cherche pas à s'emparer du territoire de Kingpin. Ah, c'est bien foutu, j'espérais hein. J'espérais au moins avoir un week-end de libre. Je devrais le piéger d'en haut. Parfait.
On va rentrer du coup. Bon, doucement. Positionnez-vous derrière un ennemi et réalisez une élimination silencieuse. On va y aller doucement. Et comment on fait pour l'élimination silencieuse? Ils me le disent. Ou ça va être inscrit sur l'écran peut-être? Triangle? Ah, j'aurais dit triangle. Ah oh, putain, comme il a défoncé. Quelqu'un approche. Ils vont me voir ici. Ok. Ok, Rose Roseman est là avec l'ennemi masqué. Oh là là. Oh, il a buté? Non, il a pas buté. Je ne sais pas. Je vous jure. J'en sais rien. Active, Peter. Les méchants vont devenir très méchants. Ok, je vais dépasser par ici. Alors, R3 pour afficher les ennemis, d'accord. Si vous attaquez un ennemi avec une icône danger, vous serez repéré par les ennemis aux alentours. Et si j'en... Vous pouvez attirer les ennemis en lançant étoiles. Oui, ça j'avais compris. Alors, viser L2, d'accord. Et lui, je peux l'éliminer en mode discret. Parfait. Parfait. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Un appareil photo, voilà, les selfies. Ça appartient. Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça. Sérieux? Mary Jane? Eh, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. 15 minutes plus tôt. D'accord, on va jouer Mary Jane 15 minutes plus tôt, je pense, parce que je sais qu'on va jouer d'autres personnages dans le jeu. Ouais, je pense que c'est ça. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop, un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig, laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. C'est ça, on joue Mary Jane. Familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Donc la statue de Baku. Ok, cigare roulé à la main du 20e siècle. On n'en a pas parlé aux infos. Armure tatami, parfois, d'accord. J'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent. Alors elle m'a demandé de la retrouver à la statue. C'est celle-là, je pense. Non. Ce n'est pas celle-là. Crâne de marche. Canne de marche, pardon. Ça, c'est le violoncelle du 18e siècle, d'accord. Alors elle est où? Elle est ici. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche. Allez, on tout attaque. D'abord la pièce maîtresse, un Baku Kakiemon unique. Allez, on la prend en photo. Oh, magnifique. C'est un Mifune. Avec elle à côté en plus. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel.
Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons. On se laisse ici, on va continuer la visite dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et je pense qu'on va savoir ce qui va se passer 15 minutes plus tôt justement dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la prochaine, à plus dans le bus et à bientôt dans le métro.